Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et on se retrouve dans un vlog, donc je vous emmène avec moi pendant une semaine pour vous parler de mes tricots au fur et à mesure. Vous pouvez me suivre également sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire l'eau-demoiselle, et normalement tout ce dont je peux parler vous le retrouvez en lien en dessous, j'essaie de bien mettre toutes les informations nécessaires dans la description de la vidéo, parfois des petits i en haut quand vous regardez pas sur une télé vous les voyez. Et puis je vous mets tous les liens vers mes fiches Ravelry, comme ça vous retrouvez vraiment tous les détails pour chaque tricot. Et comme chaque vlog, je le poste tous les dimanches matin à 10h, parce que quelqu'un qui m'a demandé quand est-ce que c'était posté, ben voilà, c'est tous les dimanches matin, parfois le mercredi quand il y a des vidéos dédiées sur un ouvrage spécifique, mais c'est beaucoup moins régulier. Je suis contente de vous retrouver, comme toujours extrêmement touchée par tous vos messages, tous les commentaires que vous me laissez sous les précédentes vidéos et tout. Voilà, je vous lis toujours avec grand plaisir et il n'y a pas à dire, je me répète, mais à chaque fois ça me touche toujours autant. C'est, je suis émerveillée par votre gentillesse et votre bienveillance. Franchement, c'est fou. J'adore le tricot, j'adore la communauté tricot, tout ce que ça a pu. C'est pas que du tricot, c'est aussi tous les échanges à côté et franchement, c'est top. Enfin voilà, donc je vous retrouve pour une nouvelle semaine. J'ai avancé sur ce que j'avais prévu ce week-end, c'est-à-dire la chaussette à noix. Je vais venir vous la montrer. J'avais passé le talon et l'objectif c'était de faire la chaussette, la voici. Voici donc ma première chaussette, il s'agit du modèle Monday Sock de José Paquin, que je tricote avec principalement de la laine de moutte, Miss Tropica pour le coloris principal, ce très joli vert, bleu, toutes ces nuances j'adore. J'utilise aussi la laine de moutte là pour la petite rayure verte, c'est un mini qui provient de son bouquet qui s'appelle le bouquet de la mariée, qui est sorti récemment. Et j'utilise de la lana grossa pour le blanc au niveau de la pointe et des côtes. Voilà, je vous avais quitté, j'avais fait le talon et donc j'ai tricoté tout mon pied lors d'un tricoté avec des copines. Et il s'avère que j'ai fait un petit peu plus grand que prévu parce que dans l'emballement, j'ai tricoté. J'ai mesuré, je me suis dit, oh ça va, il faut encore en faire. Je tricote, je mesure, je me dis, oh j'ai été trop loin. Bon, j'ai décidé de les laisser comme ça. C'est vraiment bien pour un bon 46-47. Ben, il va grandir, il continuera à grandir. De toute façon, je lui ai déjà tricoté une paire. C'est celle que vous avez vue avant dans les petites images. J'ai enfin lavé les Color Palette Sock. Pourtant, ça fait un moment qu'elles sont finies. Mais j'avais pas. À chaque fois que je lavais des choses, je les oubliais. Donc, elles n'étaient pas encore lavées. Celles-ci seront un peu plus petites, je pense. Donc, il commencera par mettre celle-là. Puis, il finira par mettre celle-là après. J'ai fait le choix de pas défaire parce que. Et il grandit. Il grandit encore et toujours. Il a normalement pas fini. Donc, bon. Elle devrait bien lui aller. Donc j'ai terminé la première chaussette, j'aime beaucoup avec ces petits rappels de rayures à ce niveau-là. Enfin bref, c'est un modèle simple, gratuit en français, très très chouette, moi j'aime beaucoup. Et j'ai commencé la deuxième chaussette, alors j'ai pas été fort loin, j'ai fait les côtes. Voilà, en fait j'ai eu un faux départ parce que j'ai fait ça en regardant la télé samedi soir. Donc quand j'ai fait les 10 premiers rangs de blanc, en fait, arrivée là, je me suis rendu compte que j'avais fait des côtes 1-1 et non des côtes 2-2. Donc ça n'allait pas, donc il a fallu tout défaire. J'ai refait que le dimanche parce que je fais un montage tubulaire. C'était pas ce qui est préconisé dans le patron, mais moi je fais un montage tubulaire parce qu'il est très élastique et très joli. Mais voilà, alors le samedi soir, j'avais plus la tête à devoir en refaire un. Surtout je l'avais fait une première fois, mais je sais pas, en fait on regardait la télé, j'avais mis beaucoup trop de mailles, donc je l'ai défait. Je l'ai refait une fois, mais finalement j'ai fait des côtes 1-1, et donc voilà, le dimanche je l'ai refait encore la troisième fois, cette fois-ci avec des côtes 2-2, et là c'est bon. Et je me suis juste contentée de faire les côtes, et maintenant ça a déroulé la tige tout en jersey. Hop, donc j'en suis là, j'ai plus qu'à faire tout ça, bon bah voilà. La prochaine chose technique, ça sera le talon, et après, ça sera que du jersey en droit, ça va aller tout seul. J'ai pas d'objectif, je me dis pas, faut que je la termine pour ce week-end. Si je la termine cette semaine, c'est très bien. Si je la termine pas, c'est pas grave. C'est pas mon. J'ai pas de date, quoi. De toute façon, c'est la dernière chaussette surprise que j'avais à faire. Donc voilà, il n'y a pas d'urgence. Si je la termine cette semaine, ça serait quand même bien parce que j'ai quand même envie de me faire des chaussettes pour moi. Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. Et ensuite le deuxième en cours, et j'en ai toujours que deux, mais je vais monter autre chose après. Je
je vais vous en parler. C'est mon... Hop. C'est donc mon gilet Fade. Non. Fade It Brioche. Et voici. Hop là, ce qui donne. Voilà. Oh, ça, c'est beau. Il vous plaît énormément. Je suis contente. Il me plaît aussi. Mais j'avoue que d'avoir votre retour aussi positif, bah, ça me rassure. Ah, j'aime beaucoup. J'ai eu un peu de doute, en fait, avec ce coloris-là, le Street Art. Je me suis dit, il est quand même très nuancé, mais de plein de couleurs. Est-ce qu'il a vraiment sa place ou pas? J'ai commencé à faire la transition avec la couleur suivante et je trouve pas ça choquant. Je trouve pas qu'il y ait une grosse démarcation. Donc, je pense que ça va. Je vous l'avais... J'ai quand même bien avancé dessus ce week-end. J'en étais là, j'ai tricoté tout ça. Ouais, c'est pas mal. Même si j'ai l'impression de pas avoir énormément sous les emmanchures. Je sais pas, je me vois... Si, je me vois avancer, mais je trouve quand même que c'est assez long. Après, bon, voilà, c'est toujours la même chose. C'est assez redondant, hein, forcément. Mais là, j'étais contente. J'ai vu un changement de couleur, ça fait plaisir. J'avoue que d'être toujours sur les mêmes couleurs, au bout d'un moment, bon, on a envie de passer à autre chose. Et pendant, c'est quand même énormément de points mousse. Alors, il y a quand même parfois des périodes avec des rangs en vert. Surtout quand on est comme là, à deux couleurs, il y a des rangs en vert. Mais sinon, globalement, quand j'ai qu'une seule couleur, je fais que des rangs en droit et ça va quand même assez vite. Mais ça reste un gilet, ça prend du temps, il y a pas mal de mailles. Ça aussi, j'apprends un peu les manches parce que comme elles sont au point mousse et qu'elles sont en rond, ça sera un rang en droit, un rang en vert. Il ne faudra pas que je me trompe. Mais bon, on n'y est pas encore. Alors, donc, c'est un modèle en anglais qui est très bien expliqué, franchement très bien pensé, très, très bien écrit, j'aime beaucoup, qui se caractérise avec ce très grand col châle en brioche. Ça va être très très joli. Et donc là, je déroule le corps, j'en suis à ma quatrième, troisième et quatrième couleur. Donc, Street Art de Tricot et Stitch. Et j'ai repris mon La Voix de l'eau de Bulbe Bizarre. Voilà, et donc après il me reste encore un bleu qui est pailleté, qui est le Carapuce, qui était dans la même collection que là, la première couleur, ma verte, qui était Bulle Bizarre, et là de l'autre c'est Carapuce, et après c'est Crystal Orchid qui a du bleu et du violet dedans. Donc ben voilà, lui je sais pas non plus ce qu'il va donner cette semaine, ça va avancer tranquillement, on verra bien. Je tricote, voilà, je vais éviter, je vais monter un nouvel ouvrage aujourd'hui, peut-être pas aujourd'hui mais dans la semaine, mais vous allez voir, c'est pas un gros projet, mais voilà, c'est mon gros encours de la semaine, ça va être lui pour essayer d'avancer au maximum dessus, même si, voilà, je sais pas du tout ce que je vais être capable de faire cette semaine, voilà, est-ce que le corps sera fini ou non, je ne sais pas, ça sera la surprise à la fin du vlog. Ce week-end, je me suis rendue à la mercerie de Justine, une tasse de fil et d'aiguille. On s'y rend assez régulièrement avec les copines pour passer un bon moment ensemble. J'ai racheté une pelote de soft coton de chez Langyarn. Alors, je sais même pas si... Je suis même pas sûre de... J'ai pas été vérifiée si c'était le même coloris que j'avais. J'avais déjà acheté il y a quelques semaines cette qualité-là pour faire une couverture de bébé pour le, en cas de naissance pour le futur bébé que je vais accueillir. C'est ce que je dois commencer là, incessamment sous peu. Et puis elle en avait encore, donc j'ai racheté une pelote pour faire le doudou assorti en fait, en espérant que ce soit la même couleur. Vaguement de mémoire, je me suis dit que ça devait être ça, mais j'en suis pas sûre à 100%. Au pire, c'est pas la même couleur, c'est pas grave, c'est au moins la même qualité. Mais voilà, je me suis dit que j'allais faire le... Vu que j'ai remis mon... Je vous avais dit hein, la semaine dernière, j'ai mis mes petits tutos sur... sur Ravelry, je me suis dit, allez, il faut que je fasse ma petite fiche projet avec un doudou, donc je vais refaire un doudou, j'ai commencé par ça, parce que ça va vite, et après, donc je fais ça cette semaine, et dans la semaine, je commencerai aussi la couverture, ça sera mon troisième en cours, et je castonnerai, je montrerai rien d'autre tant que j'aurai pas fait ça. Donc j'ai été raisonnable, j'ai juste acheté une pelote, mais également des petits embouts, parce qu'elle a, elle avait un petit réassort d'embouts à aiguille, que je trouvais trop mignon. Les tortues et les petites licornes, c'était trop choupi. Et quand on va chez Justine et qu'on fait un achat, on a toujours un petit cadeau. Donc là, on m'a très gentiment offert les anneaux marqueurs. Cette petite pochette qui contient une petite étiquette et des petits anneaux marqueurs ampoules. Donc voilà, ça c'était la petite mercerie. Vraiment très raisonnable hein, cette fois-ci. Bon, la prochaine fois que j'y vais, ça devrait pas être le cas parce qu'on y va. Il va y avoir Arco Irisian qui vient faire une vente, éphémère chez Justine. Bon bah. Voilà. Je...
On verra bien ce que ça donne, hein, mais ça va être trop chouette. Mais bon, ça, on en reparlera, c'est la semaine prochaine. Donc vous l'aurez en vlog encore la semaine d'après. Enfin bref, on en reparlera au moment voulu. Donc voilà, cette semaine, on va suivre la chaussette. On est un peu dans les mêmes tons, hein, bleu-vert pour le gilet, pour la chaussette, et puis un peu de tricot bébé pour la fin de la semaine, je pense. Aujourd'hui, je porte un tricot. Ça faisait un petit moment, avec les fortes chaleurs qu'on avait eues. Vraiment, mes robes, c'est ce qu'il y avait de mieux. Mais là, les températures, elles ont bien baissé. Hein, vous devez savoir, j'ai l'impression que c'est un peu partout pareil. Et aujourd'hui, je porte le débardeur Tamias de Folie Ordinaire que j'avais fait un peu plus tôt dans l'été, que j'ai tricoté en Norma de Long Yarn. C'est un fil, je ne sais plus, qui contient de la viscose. Je sais plus, j'aurais pu du tout vous dire la composition. Mais en tout cas, qui est très brillant, très doux, et puis alors les couleurs, cette couleur j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce que je porte, le Tamia de Folie Ordinaire. J'aime énormément avec ces petits chevrons là. J'aime beaucoup. Là, je vais pouvoir commencer à reporter des tricots, je pense, porter encore un peu là courant septembre, mais débardeur, tout ça, avant après de passer tout doucement au tricot d'automne. Alors aujourd'hui, je vais vous remontrer mon gilet. Car j'ai terminé une section, j'ai terminé l'alternance de couleurs entre mon coloris Street Art et La Voix de l'eau. Donc Street Art de Tricot et Stitch, La Voix de l'eau de Bulbe Bizarre. C'est tout emmêlé, voilà. Hop, je vous montre et voilà ce que ça donne. Donc là maintenant on est parti dans du bleu bleu. Ah ça rend bien. Moi j'ai l'impression de voir que du bleu quand je suis dessus, mais après c'est parce qu'il est en boule aussi sur mon bureau. Ah non, de voir le rendu là au loin à l'écran, ça rend pas mal. J'aime beaucoup le rendu. Donc là ça y est, c'est parti pour faire que la voie de l'eau. Donc je vous l'ai montré, j'en étais là. J'ai fait tout ça quand même mine de rien. Ah, ça avance, j'ai ça sous les emmanchures. Je sais pas combien ça fait de centimètres, mais bon. Je me pose pas de questions sur les centimètres, je vais aller au bout des laines en gardant toujours le même rythme de rang. C'est-à-dire qu'il y a un certain rythme de rang pour le changement de couleur, et après il y a un autre rythme de rang pour quand on est avec une seule couleur. Donc ça, je vais suivre toujours le même rythme. A priori, ça devrait aller. J'ai pas pesé combien il me restait de laine sur mon. Parce qu'en fait, ce qui me permet là de street art, depuis street art, c'est vraiment la partie où j'ai pas du tout encore fait les manches, mais je pense qu'il me reste quand même bien assez de laine pour faire. Alors j'ai utilisé un peu plus de la moitié de mon écheveau, ça je le sais pour le corps, mais les manches, j'ai regardé, il y a beaucoup moins de mailles sur les manches que sur le corps, donc il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Et je sais même plus pourquoi je vous disais ça. Bon, bref, toujours. Donc de toute façon, oui, la longueur du gilet, je vais faire en sorte. Là, il me reste encore deux coloris à ajouter après. Donc là, je tricote la voie de l'eau uniquement tout seul. Donc qui est dans les tons bleu, vert. Le suivant, c'est Carapuce, toujours de Bulbe Bizarre, qui a du bleu, un peu de vert aussi, mais qui a des nuances de violet pour après aller sur Crystal Orchid, qui est dans les bleus, qui est beaucoup de violet, qui a du vert et du bleu également. Mais là, voilà, là, c'est la voie de l'eau tout seul avant de le mélanger à une autre couleur. Donc il avance tranquillement. Et après il y aura les manches à faire. Finalement c'est quand même. J'aurai pas beaucoup de reste de ce gilet-là. J'ai l'impression qu'il consomme quand même beaucoup de laine. Je m'étais jamais posé la question de la brioche. Est-ce que le point brioche consomme de la laine? Bah, j'ai l'impression que ça consomme quand même beaucoup de laine. Parce que là j'en suis à. Je sais pas, il faudrait que je pèse combien j'ai déjà tricoté de laine dessus. Mais ouais, je trouve quand même que c'est un gilet qui mange beaucoup de laine. Après, il y a ce grand col
Après, c'est en même temps, c'est le col et toute la bande d'encolure, tout ça est faite en même temps. Mais oui, ça n'a pas été un projet où je vais avoir beaucoup de reste à la fin. Et tant mieux, c'est pas plus mal, ça c'est chouette. Oh, j'aime beaucoup le rendu quand même. Je pensais pas aimer autant non plus. J'aimais quand je voyais tous mes échevaux, je me disais, ah oui, ça fait un beau fade. Mais c'est peut-être pas tellement mes couleurs. Mais quand je le vois là, je l'aime beaucoup. Et je me dis, bah, sur un jean avec un t-shirt blanc en dessous, ça sera parfait. Ah ouais, j'aime beaucoup le rendu. Donc voilà, ça c'est pour mon gilet. Je vous remontrerai une fois que j'aurai passé à l'étape suivante, je pense. Je vais pouvoir vous montrer quelque chose que j'avais reçu. Alors, je l'ai reçu il y a un petit moment, mais je ne pouvais pas vous le montrer. Il s'agit de l'anneau marqueur du mois, donc du mois d'août, de Apollonie. Hop, je vous le montre. Donc Apollonie, vous savez, je suis ambassadrice, je reçois son petit marqueur fleur chaque mois. Donc ici, vous l'avez posé en anneau marqueur. Donc avant c'était un abonnement, je crois que maintenant il n'y a plus ce système d'abonnement et elle est passée à un mode de précommande, donc en fait du 1er au 10 de chaque mois. Donc là par exemple pour le mois de septembre il est trop tard, mais le prochain mois, donc au mois d'octobre, entre le 1 et le 10, vous pourrez commander la fleur du mois. Ça reste toujours surprise, hein, mais voilà, vous le faites chaque mois. Pour elle c'est plus simple à gérer et puis vous c'est vraiment modulable. Alors son abonnement, il pouvait s'arrêter quand on voulait avant, mais au moins là, vous le faites que vraiment si vous le désirez. Et donc là, moi, je vous l'ai montré sous forme d'anneau marqueur. Vous pouvez l'avoir aussi sous Progress Keeper. Avant, il y avait les broches, mais elle a arrêté. Et c'est pour ça que je peux vous le montrer que maintenant, parce qu'il y a eu un souci avec les broches, si je ne dis pas de bêtises, sur l'anneau marqueur du mois d'août. Et donc, elle m'avait demandé si je pouvais éviter de le montrer pour pas spoiler ceux qui n'avaient pas encore reçu leurs broches. Et donc c'est une petite fleur d'églantier, c'est vraiment très joli. Et je vous montre le Progress Keeper qui est ici. Voilà. Et je vous rappelle, avec le code qui s'affiche à l'écran, si vous n'avez toujours pas passé commande, vous pouvez bénéficier de 10% de remise chez Apollonie. Et je vous montre donc le début d'un doudou carré. Voilà, je vous l'avais dit hein, que j'allais le faire. Alors pourquoi l'anneau marqueur? Parce que je le dis moi-même dans le patron, c'est je le fais en point mousse, donc c'est plus facile pour différencier l'endroit de l'envers. Là, je sais que c'est mon endroit, c'est sur ce côté-là que je fais mes augmentations. Donc voilà, je tricote avec Langyarn, le soft coton. J'ai vérifié, c'est pas du tout la même couleur que ce que j'ai acheté pour la couverture, mais c'est pas grave. Je dois l'avoir là. Hop. J'avais un doute, hein. Je savais bien que j'étais pas partie dans les roses. Non, j'étais partie dans un violet, dans un beau parme. Mais bon. C'est pas grave, ça fera très bien l'affaire quand même. Alors dans le patron, la première fois que je l'avais tricoté avec des laines bien plus épaisses, avec de la Findar Partner 6. Et donc j'avais augmenté jusqu'à 45 mailles avant de diminuer. Là moi je vois c'est quand même un fil beaucoup plus fin. Je vais augmenter un peu plus, de toute façon c'est la même logique, hein, on continue d'augmenter. Et après on fait plus de diminution pour utiliser un peu plus ma laine et qu'il soit un peu plus grand. Mais voilà, le doudou est en cours de réalisation, ça va super vite à faire, c'est super bien. D'ailleurs, j'en profite pour relayer une information. Donc, Christelle de Rêver sa vie en couleur a lancé une opération Un doudou pour un sourire. C'est venu d'une personne qui est assistante familiale, donc qui accueille chez elle des enfants qui ne peuvent pas être hébergés dans leur famille. Donc, contrairement à moi, c'est un accueil permanent tous les jours, hein. Ils restent là tous les jours. Jour et nuit, ils dorment, quoi, ils font partie de la famille. Moi, je suis assistante maternelle, donc c'est des petits qui sont dans leur famille, que je garde pendant le temps de travail des parents. La définition, c'est bien ça. On garde les enfants pendant le temps de travail des parents. C'est pas toujours respecté cette affaire, mais ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, donc avec une assistante familiale, elle a lancé donc une opération pour récolter des doudous faits au tricot, au crochet, à la couture par. Dans la communauté tricot loisirs créatifs, afin qu'ils soient en fait après offerts à des enfants, voilà, qui se trouvent en pouponnière ou dans des familles d'accueil, pour qu'ils aient un petit doudou qu'ils garderont tout le long de leur enfance avec eux, même si ils changent de famille ou autre. Je vous mets l'affiche à l'écran si je peux, si j'arrive à la récupérer quelque part. C'est Marie-Élix qui a fait cette jolie affiche. Et donc je vous relaie l'information, parce que je sais que Christelle va faire plusieurs doudous comme ça pour cette opération-là. Donc voilà, je partage également, je relaie l'information si jamais vous êtes tenté. Voilà, si jamais vous êtes intéressé, je vous mets en dessous le lien vers l'Instagram de Christelle, où je pense que vous retrouverez toutes les informations.
Donc là, bah, c'est une petite doudou que je fais, moi, pour la petite que je vais accueillir bientôt. Bah voilà, ce sera son petit cadeau de naissance avec la couverture qui va suivre, qui sera donc pas de la même couleur, mais c'est pas grave. Ça me permet de le refaire, j'aurais été incapable de le refaire sans mon patron. Je l'avais créé, je sais plus, je l'avais vu quelque part, j'avais vu ça sur un podcast d'une tricoteuse qui avait reçu en cadeau des doudous comme ça qu'on pouvait enlever d'un petit hochet de dentition, mais en tissu. Et je me suis, comme de la couture et moi ça fait deux, je m'étais dit, mais on peut faire la même chose au tricot. Et d'où l'idée que j'avais réalisé ça. Donc voilà, ça bah, je vais vous revenir le remontrer cette semaine terminée et certainement le début de la couverture. Donc je tricote en 4,5. Justine m'avait prévenu que la soft coton de Langyarn se dédouble pas mal. Donc oui, au départ, elle s'est dédoublée. Maintenant que je suis lancée, que je suis dans le. Voilà, c'est parti, j'ai pris le pli de bien tenir le fil, de faire attention quand je pique et ça se passe bien. Mais c'est vrai que voilà, ça va être un fil qui va. On voit bien tous les brins et qui peut se dédoubler facilement. On peut facilement piquer au travers et puis dédoubler les mailles, tout ça. Enfin voilà, c'est juste un petit détail à faire attention. Voyez. Et je me dis que c'était peut-être pas non plus l'idée du siècle. En fait, je pense que j'ai peur que la couverture elle soit facilement accrochée et qu'il y ait juste un fil comme ça qui soit tiré. Mais bon, c'est tout, c'est pas grave, on va tester, on verra bien. Moi, les deux autres couvertures que j'ai pu faire, non, j'en ai fait trois, que je vois toujours que, parce que les petits sont en accueil. Une en Rico Baby Dream, elle tient super bien, il n'y a pas de souci. Elle supporte très bien les lavages et tout, la baffe de bébé, d'être mangée et tout, il n'y a pas de souci, elle vieillit. Alors c'est sûr, elle vieillit, hein, parce que c'est un. J'ai deux couvertures qui sont utilisées vraiment comme des doudous. Alors, vu la taille, je vous laisse imaginer, les petites couvertures sont traînées vraiment partout, parce que bébé, c'est pour cet enfant-là, c'est vraiment son doudou. Il y en a deux, de ce fait-là. Mais c'est quand même pas évident. Et donc il y en a une en Rico Dream DK. Et elle vit quand même relativement bien. Et il en a une deuxième en Atlantis de Langyarn qui vit bien aussi. Franchement, qui est pas mal. Mais j'aime beaucoup celle-là de laine parce qu'elle est brillante. Et j'en avais fait une troisième aussi pour la petite dernière que j'ai qui est en Atlantis aussi. Et bah voilà, qui vit tout aussi bien. Mais elle est moins. Elle est vraiment utilisée comme couverture et pas comme doudou. Et on verra ce que ça donne celle-là. Je vous retirerai ça dans quelques mois. Je vous retrouve avec des cheveux approximatifs. Ah, c'est pas grave. Aujourd'hui, je porte le top baigneuse, un modèle d'atelier Emily que j'ai tricoté dans la base Merino Tencel de chez Teinture Lurée. Le coloris, je sais plus. Ça doit être une histoire des les yeux, la fille aux yeux mentalo. Ça doit être quelque chose comme ça. Enfin bref, voilà, le top baigneuse qui se caractérise avec cette grande emmanchure qui est fort dégagée. Donc voilà pour ce que je porte aujourd'hui. C'est vraiment parfait pour aujourd'hui. Il fait pas. Bon, ce matin il faisait vraiment pas terrible et dans la journée il a fait un peu plus chaud. Donc enfin voilà, c'était bien. Je reviens, j'ai tricoté le petit doudou. Le petit doudou carré. Voilà, en une journée, hein, c'est fait. Faut pas. Ça va très vite à faire. Donc en fait, sa particularité, c'est d'avoir une ouverture à ce niveau-là. Bon, j'ai pas encore rentré les fils, il faut que je les rentre après. Puisque l'idée est de le faire passer dans un anneau de dentition. Voilà, par exemple, moi, ça sera la petite baleine. Donc il suffit de passer, vous passez votre doudou à travers l'anneau, comme ceci. Vous voyez, et à travers le trou, vous passez le reste du doudou. Hop, comme ça, il vient se serrer au niveau de l'anneau. Comme ça, l'enfant peut mettre ça, mâchouiller ça à sa bouche. Et il a ce doudou-là qui va mâchouiller aussi. Hein,
Faut pas se leurrer, mais ben voilà, c'est mignon, j'aimais bien l'idée. Alors ici, on a un anneau en forme de baleine qui est pas très grand, donc pour en mettre deux, c'est compliqué. Par contre, quand vous prenez juste un anneau, où il y a pas, c'est juste un anneau, on peut en mettre deux facilement. Donc voilà, mon petit doudou. Donc je l'ai fait au point mousse, hein, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple et tout, mais comme je vous avais dit, vous pouvez le faire en jersey pour avoir un peu une texture différente. Vous pouvez jouer avec les... Vous pouvez jouer aussi avec les couleurs. Enfin voilà, donc le petit doudou. Moi, le mien, mon anneau vient de chez Rascol. Voilà, c'est un anneau en bois non traité, spécial bébé. Maintenant, alors moi, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup en silicone. Mais sur Rascol, maintenant, il y en a énormément aussi en silicone qui sont trop mignons. Mais j'en avais acheté plusieurs, donc je les utilise. J'utilise ceux que j'ai en stock pour l'instant. Voilà, voilà pour le doudou. C'est vraiment pas compliqué, c'est très simple. Et ça fait l'affaire, c'est vraiment très... Voilà, je trouve que c'est quelque chose de très simple, mais en même temps qui est assez mignon. Je trouve que c'est mignon, là, la petite pointe que ça forme, là, tout ça, enfin bref. Donc il ne me reste plus qu'à rentrer les fils, le laver, et puis faire la couverture qui va aller avec, qui sera donc pas du tout de la même couleur. Bon, mais bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est la première chose. Et la seconde, c'est ma paire de chaussettes que je tricote. Voici où j'en suis. Hop, je prends un peu plus de fil. Voilà, j'ai tricoté toute la tige et j'ai passé le talon. Oh, qu'est-ce que j'aime. J'aime beaucoup hein, cette couleur, même si c'est pas forcément mes couleurs. Franchement, j'aime beaucoup le travail de la teinture de Catherine. Vous voyez, ce sont les mêmes pas, les mêmes, les pareils, pas pareils. On voit que au fil de l'écheveau, en fait, les nuances, elles sont pas vraiment identiques. On voit bien que c'est la même chaussette, c'est avec la même laine, mais il y a quelques différences entre les deux et j'aime beaucoup. Je m'en suis rendu compte en le reprenant qu'il y avait plus de vert. Autant je m'en étais pas rendu compte en tricotant la première chaussette, qu'il y avait plus de bleu là et un peu moins ici. Et sur la deuxième, si là, je m'en suis bien rendu compte, je me suis dit, il y a quand même beaucoup plus de vert. Et je trouve ça vraiment chouette, j'aime beaucoup, j'aime bien le rendu. Donc bah maintenant il ne me reste plus qu'à dérouler tout ce pied. Pied de pied. Hein. Mais bon bah ça, si c'est terminé à la fin de la semaine, c'est bien. Si ça ne l'est pas, ça le sera la semaine prochaine. C'est pas un problème. Donc voilà ce qui a surtout avancé. Donc je pense pas commencer aujourd'hui la couverture de bébé, certainement demain. Aujourd'hui, je vais surtout me consacrer à mon gilet qui avance tranquillement et. Et puis que j'ai hâte de voir en fait les dernières couleurs. C'est vrai que ça me motive pas mal. J'ai envie de voir ce que ça donne tout le dégradé au complet. Donc ça me motive pas mal. Aujourd'hui, je voulais revenir sur le petit doudou d'hier parce qu'il y a des choses que j'ai complètement oublié de vous dire. Alors, concernant le fil, la soft coton de Langyarn, sa composition, je sais même pas, 100% coton, voilà, on peut pas faire plus simple. C'est beaucoup plus fin comme fil que ce que moi j'avais utilisé pour faire la première version. Ce qui m'a, j'avais utilisé, je vous l'avais dit, la Partner 6 de Filmdart, qui a un fil bien plus épais. Et il me fallait, en fait, il ne fallait pas une pelote complète. Je sais que moi, quand je l'avais fait, il me restait du fil, mais il ne restait pas assez de quoi faire deux doudous dans une pelote. Là, c'est un fil plus fin. J'ai augmenté un peu plus à ce niveau-ci. Dans le patron que je vous ai fait, j'ai mis augmenté jusqu'à 45 mailles. Là, j'ai augmenté jusqu'à 51 mailles avant de commencer les diminutions. Donc, de toute façon, on fait toujours la même chose. Hein, c'est pas compliqué d'agrandir. Et de ce fait-là, il me reste la moitié de la pelote pour faire plus tard un autre doudou. Voilà, je voulais revenir dessus. C'est parfait. C'est facilement adaptable à n'importe quel fil. Mais plus vous allez avoir un fil fin, plus vous pouvez augmenter et plus vous pourrez faire de doudou dans votre pelote.
Donc voilà, c'était juste pour revenir dessus parce que j'étais pas revenue sur les quantités. Je l'ai marqué dans ma fiche Ravelry que je veux augmenter jusqu'à 51 mailles et que je vais donc utiliser la moitié de ma pelote pour faire ce doudou. Donc je vais garder le reste pour me refaire faire un doudou à l'avenir pour un autre enfant certainement. Voilà, bon j'ai toujours rien fait, hein. Je vais pas rentrer les fils, rien. Ça c'est quelque chose que je ferai certainement quand j'aurai fait la couverture. Qui n'est d'ailleurs pas commencé. Mais il faut que je la commence. Je pense que demain j'aurai commencé. Parce que j'aimerais. Ça va être mon tricot pour ce week-end. On a de la voiture à faire. Et ça. Je peux pas faire la chaussette à Noah. Parce que. Ben, il sera là. En plus, comment. C'est la conduite accompagnée. Moi, je me retrouve à l'arrière maintenant. Donc, juste à côté de Noah. Donc, je peux pas faire sa chaussette. Et ensuite. Mon pull, ça fait trimballer beaucoup de. Beaucoup de fils, c'est conséquent, donc je vais pas le prendre. Je pense que je vais commencer la couverture et puis comme ça sera mon tricot voiture du week-end. Mais je vous en reparle demain. J'aurai certainement commencé. Je vais la commencer aujourd'hui, comme ça je pourrai vous la montrer demain. Sinon, l'autre avancée tricot, c'est mon gilet. Hop. Que je vous montre un petit peu. Alors là, quand je le vois comme ça, je me dis, ça fait quand même trois zones, ça fait vert, ça fait un mélange de couleurs et ça fait fort bleu. Je trouve quand même que porter, je l'ai réessayé, porter, ça rend bien, ça fait moins color block que ce qu'on peut voir, je trouve, là. Si on peut le voir en entier, oh, c'est beau, j'aime beaucoup. Alors, depuis, je vous l'avais montré. Hop, oh, j'ai quand même bien tricoté, hein. J'en étais là. J'ai tricoté tout ça. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai tricoté alors la voie de l'eau tout seul. Entre Summer, je sais plus où. Mais en bref, j'ai tricoté la voie de l'eau tout seul. Ah oui, c'était là. Donc j'ai tricoté la voie de l'eau tout seul. Et ensuite, j'ai fait le changement de couleur. J'ai tricoté la voie de l'eau et le coloris Carapuce. Donc les deux coloris bleus là, ce sont ceux de Bulbe Bizarre. Que je vous montre. Donc la voie de l'eau. Ah, on dirait qu'il m'en reste beaucoup, mais je l'ai rebobiné. En fait, c'est hyper mou à l'intérieur. Je sais pas pourquoi le fait d'avoir rebobiné, ça a fait assez lâche et ça fait une pelote vraiment assez grosse alors qu'elle est complètement molle à l'intérieur. Il me reste que 40 grammes de fil. Et ça, c'est Carapuce. Alors au début, je me suis dit peut-être qu'ils étaient trop proches pour aller ensemble, mais en fait, on voit bien la différence. Carapuce est plus intense. En couleur. Alors, ça, vous voyez, là, ça se voit pas forcément. Là, ça se voit plus. Et moi, en vrai, je vois bien que celui-là, il est quand même plus intense en bleu. Celui-là, il est un peu plus clair. Après, c'est pas la même base non plus. Là, il y a du lurex. Ça prend peut-être plus la couleur, je sais pas. Mais en tout cas, tricoté, je vois la différence. J'arrive à voir les rangs qui sont tricotés avec je sais plus quoi, avec la voie de l'eau et avec Carapuce. Ben moi, voilà, quand je le tricote, je vois bien la différence de couleur. Et donc maintenant, je suis partie dans la zone où je vais tricoter que Carapuce tout seul. Donc ça me refait un petit rappel de paillettes, hein. Je sais pas si vous les voyez, mais vous les voyez peut-être pas là sur le tricot. Comme j'avais eu Bulbe Bizarre ici qui était en lurex, Carapuce ramène un peu de paillettes vers le bas du gilet. Mais voilà, donc ben la fin du corps approche. Bon, il sera pas du tout fini pour ce vlog, le vlog-ci, mais bon, pour la semaine prochaine, ça sera chose faite. Parce que là, je tricote Carapuce tout seul et ensuite j'intègre la dernière couleur. Et il restera plus qu'à faire les manches. Donc là, ce qui est rigolo, c'est que la longueur des manches, elle est la même longueur que le corps. C'est vraiment, vu qu'on va faire le même nombre de rangs pour garder vraiment le même dégradé. Les manches sont de la même longueur. Alors, je reviens sur l'histoire du lavage, parce que je vous en ai parlé. Ah, bah pour le Bubbles, oh, je vous en parlerai demain, mon Bubbles, il est là. Je l'ai un peu bloqué, je vous en reparlerai bien. Je pense que là, mon gilet, pour lui le laver, je vais le laver dans un filet, comme les filets de lavage. Donc, je vais le mettre dedans pour le faire tremper. Pour comme ça, quand je vais le ressortir, vraiment, tout le gilet va venir en une fois. Il n'y aura pas une manche qui va pendre, qui risque de s'étendre ou autre. Ça ne devrait pas s'allonger à ce moment-là, parce que c'est quand même un risque
quand on soulève un tricot qui a un côté qui pend et avec le poids de l'eau, pouf, ça va tirer dessus et il s'étire, il s'allonge. Donc je vais le mettre dans un filet pour le tremper et je vais l'essorer à la machine pour qu'il perde le maximum d'eau possible. Et ensuite j'irai l'épingler, le poser à plat, éventuellement peut-être l'épingler si j'ai besoin d'un peu plus de longueur. Mais voilà, c'est ce que je compte faire pour ce gilet-là. Mais ouais, non, mon chat, le Bobbles, je l'ai pas... Bon, je vais vous en parler lorsque demain je vous oublie. Mon châle Bobbles, je l'ai pas lavé dans le sens où je l'ai pas trempé complètement. Après voilà, ça reste un châle, ça va être quelque chose qu'on va beaucoup moins salir qu'un vêtement ou autre. En deux, moi je les garde pas pour manger, donc déjà ça m'aide à pas les salir. Et donc voilà le Bobbles. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai posé à plat, je l'ai épinglé. Donc c'est-à-dire que par exemple, j'ai étiré un petit peu ma dentelle. Parce que on avait des zones quand même où, quand on passait de la dentelle à la brioche, il y en avait une des deux, on voyait, il y avait un décalage. Donc là, je les ai étirées pour que tout soit aligné de ce côté-ci et l'autre côté également. Et j'ai également épinglé un petit peu cette partie-là, les chevrons en bas. Vous voyez, c'est un peu plus accentué qu'au départ. Donc je les ai un petit peu, je les ai épinglés. Et je suis venue vaporiser tout mon ouvrage, tout le châle. Donc il était humide, ou pas complètement trempé comme si on l'avait mis dans de l'eau totalement. Mais il était quand même bien humide. Il a séché donc en étant épinglé, ce qui a permis de réaligner toutes les parties au niveau de la dentelle de la brioche. Et de dévoiler un peu plus la dentelle et d'accentuer un petit peu plus les vagues en bas. Voilà. Le rendu de ce côté-là, on voit bien le motif de ce côté-là, ça rend super bien. Donc voilà ce que j'ai fait pour le châle Bobbles. Il est vraiment grand. On l'a pris en photo et il est vraiment très très grand, très très long. Il est immense, il va être vraiment parfait pour l'hiver. Ça va être un gros châle doudou là, super bien. Celui-là, il va passer dans ma collection automne-hiver parce que pour l'hiver, il sera... hyper doudou et tout, c'est super chaud. En plus là, ma laine de passion de Marilo, c'est de l'alpaga. Donc ça va tenir chaud. Moi, je suis vraiment contente du résultat. Voilà, pour le châle Bobbles, je vous en reparle un peu de comment je l'ai fait pour le ce qu'on appelle bloqué, c'est-à-dire quand on épingle un tricot pour qu'il sèche aux mesures que l'on désire. Voilà pour ça. Donc demain, on se retrouve pour la fin de vlog, je vous montrerai vraiment où j'en suis un petit peu dans tous mes ouvrages. On se retrouve pour la fin de ce vlog. Alors, aujourd'hui, je suis de jaune vêtue, j'ai un petit ruban, je me suis dit que j'allais vous en parler, parce que c'est vraiment quelque chose qui est, je pense, encore assez peu connu. Quand on parle d'octobre, on pense tout de suite à Octobre Rose. Sauf que bah avant il y a plein de mois dans l'année et là je vais vous parler d'un mois spécifique, ce mois-ci, le mois de septembre, mais je pense qu'en fait il doit y en avoir tous les mois quand même. C'est vrai que ça serait un sujet à creuser. Mais en septembre, c'est septembre en or, donc c'est pour la lutte contre le cancer pédiatrique. Donc travaillant dans la petite enfance, c'est quelque chose qui... Bah on va dire qu'il nous touche un peu plus avantageux et que donc avec notre relais petite enfance, on a organisé, enfin le relais a organisé une marche avec les assistantes maternelles à laquelle j'ai participé ce matin avec mes loulous, qu'on a marché, parce que c'est simple, pour septembre en or, quand on va sur le site, hein, vous tapez ça sur Google, vous allez trouver, il suffit d'enregistrer les kilomètres que l'on marche en septembre. Donc on a effectué une marche voilà, à plusieurs de nous avec nos petits loulous, d'où la tenue jaune et le petit ruban aujourd'hui, pour soutenir cette action qui est encore peu connue et donc je voulais vous en parler. Et évidemment vous pouvez également faire un don sur le site, mais déjà ne serait-ce que d'en parler autour de vous et de voilà, d'aller faire une randonnée, d'aller faire une marche et de mettre ces kilomètres-là pour septembre en or, c'est déjà beaucoup et c'est gratuit et à la portée de beaucoup de monde. Donc voilà, je vous en ai parlé, je l'ai partagé vite fait sur Instagram et je voulais revenir dans ce vlog parce que septembre n'est pas encore terminé et que si vous voulez, vous pouvez encore y participer ou ne serait-ce au moins que diffuser l'information pour que dans les années à venir, septembre en or soit aussi connu que octobre rose. Voilà, ça n'a aucun rapport avec le tricot, mais c'est quelque chose qui
dans mon métier nous parle, parce que voilà, moi personnellement je travaille avec des enfants qui sont porteurs d'handicap par exemple. J'ai des collègues de travail qui ont des enfants proches d'elles qui sont atteints de cancer. Donc c'est vrai que nous, chez nous, dans notre petit groupe de nounous, c'est quelque chose auquel on est plus ou moins confronté et auquel on essaye de sensibiliser. Voilà. Sinon, bah, on va quand même parler tricot. En cette fin de semaine, je vous remonte pas mon gilet parce que depuis hier, je ne l'ai pas du tout tricoté, j'ai pas avancé dessus, donc je vous le remontre pas, ça sert à rien. Mais j'ai quelque chose. Mais si j'ai pas avancé dessus, c'est parce que j'ai tricoté autre chose et je reviens avec un ouvrage terminé. L'ouvrage terminé, il peut pas y en avoir 12 000, il s'agit des chaussettes pour Noah. Voilà, j'ai fini la deuxième. J'allais dire, je sais pas laquelle que c'est, mais si, parce qu'elle est un peu plus verte que la première. Donc voilà, j'ai terminé la chaussette, donc les Monday Sock de José Paquin. J'aime beaucoup ce patron. C'est une chaussette tout en jersey, mais en fait, ces grandes côtes avec ces deux rayures là, j'aime énormément. Il y a un petit rappel de rayures au niveau de la pointe. Voilà. Je me suis demandé si je faisais un peu, parce que c'est des pointes quand même assez pointues, vous voyez. Je me suis dit, est-ce que j'enlève quelques rangs, parce que je pense que si je m'arrêtais là, ça serait déjà pas mal et ça ferait quand même perdre un bon centimètre. Puis je me suis dit, bon, je verrai. En fait, je verrai quand je vais lui offrir. Si vraiment elles sont trop grandes, bah, de toute façon, comme c'est l'avantage de toutes les chaussettes, elles ont toutes été faites des côtes vers la pointe. Je peux tous défaire la pointe pour rallonger ou pour rétrécir si c'est nécessaire. Donc on verra à ce moment-là. Mais comme il a ses color palette socs qui sont un peu plus petites, je pense qu'il mettra ses color palette socs avant. Et ensuite il passera à ses Monday socs. Donc voilà, un ouvrage terminé. J'ai terminé les chaussettes que je voulais faire pour mes garçons. Donc ils les auront à la Saint-Nicolas dans leurs chaussettes, à moins qu'ils me les réclament avant. Parce que Noah, ses Pac-Man, elles sont beaucoup trop petites, mais pour l'instant, ils ne réclament pas de chaussettes. Donc soit ils les réclament peut-être avant et ils les auront avant, mais si j'arrive à les faire tenir jusque la Saint-Nicolas, donc le 6 décembre, ils les trouveront dans leurs chaussettes de Saint-Nicolas, deux paires. Parce qu'à la base, je voulais faire trois paires, mais comme Axel m'a réclamé une paire de sockets, il a eu sa paire de sockets. Noah a exprimé le souhait de ne pas du tout en vouloir. Il comprend pas le principe de la socket, il n'en porte jamais. Donc, ils ont deux paires chacun hautes, deux color palette sock et donc deux Monday sock. Voilà. Donc, je m'étais dit, ça y est, j'ai fini avec les chaussettes surprises pour cette année, sauf que je pense que je vais en faire une pour mon chéri. Il avait craqué pour un kit quand Yarneline était venue pour faire une vente éphémère chez Justine. Donc on avait pris un kit de 50 grammes. Moi je m'étais pris un kit aussi. Et je pense. Je sais pas si cette longueur-là, ça lui plairait. En fait, je vais utiliser les deux échos de 50 grammes pour lui faire des chaussettes. Parce qu'avec un écho, j'y arriverai pas. Donc je vais prendre sur le mien, c'est pas grave. Je sais pas si je lui fais aussi des Monday Sock ou pas. Je pense que ça serait peut-être rigolo de refaire une paire encore pour mon chéri. Je pense que voilà. Mais lui, il l'aura pour Noël. Ça me paraît. Ou pour Saint-Nicolas. Ouais, ça serait le truc. Allez, on va essayer de le faire pour la Saint-Nicolas. Donc il faudrait que je le fasse là. Encore une paire de chaussettes de pieds géants secrètes à faire. Ouais, pour mon chéri, ça serait bien, puis qu'il l'ait lui aussi, vu qu'il sait la surprise pour les garçons, mais il s'attend pas à en avoir une paire. Ouais, ça me paraît bien. Moi, ouais, je vais voir, je vais faire quelque chose comme ça. Ou alors, je lui fais des color palette sock. Parce que dans ces cas-là, le 50 grammes, il est suffisant. J'entamerai pas le mien. J'utiliserai un mini que j'ai acheté, qu'on a eu avec le kit. En plus, il avait fait changer le mini par Yarneline, il me semble. Non, c'est moi. J'avais fait changer le mini du kit. Oh, je vais y réfléchir. Voilà. Mais je vais lui faire une paire de chaussettes pour qu'il en ait une aussi. Parce que le kit, on l'avait acheté pour que je lui fasse sa paire de chaussettes et elle est toujours pas faite. Donc voilà. Ça viendra un peu plus tard. Et sinon, bah, en fait, la dernière chose que je peux vous montrer aujourd'hui, c'est le début de ma couverture. Voilà ce que ça donne. J'ai utilisé donc le petit anneau marqueur de chez Apollonis, la fleur du mois d'août. J'utilise le Progress Keeper en anneau marqueur aussi. Donc on commence par monter les mailles. Cette fois-ci, j'ai fait un German
Parce que moi, je vous dis juste dans le truc, dans le patron, montez 121 mailles. Vous les montez comme vous voulez. Moi, j'ai fait un German Twisted Cast On pour que ça soit assez élastique. Parce que j'ai trouvé qu'un montage classique, c'était un peu trop serré. Donc, j'ai fait un German Twisted Cast On. J'aime bien, ça fait propre. Et c'est assez élastique. Qu'au début, on fait 16 rangs de points mousse. On garde la bordure en point mousse sur tout le côté de la couverture. Et à l'intérieur, c'est tout en jersey avec ce petit point-là de dentelle. Vraiment tout simple. Qui est le même, les deux rangs sont identiques, et après ça va être en décalé, vous voyez, là entre les deux on aura le suivant. Donc ben voilà, c'est parti, j'adore la couleur, j'aime beaucoup cette couleur, très très jolie, j'aime beaucoup. Le fil se dédouble un petit peu, je pense que ben, moi avec l'habitude je le dédouble moins, mais j'ai vu quand même que parfois il s'est un peu dédoublé, donc vraiment à faire attention, par exemple vous voyez, hop. Là, j'ai un fil qui n'est pas tricoté, c'est pas le seul. J'ai décidé de ne pas les reprendre parce que sinon je crois que je vais passer mon temps à faire ça sur la couverture. Hop, là. Également, vous voyez. Donc oui, c'est un fil qui se dédouble. Il faut vraiment faire attention quand on le tricote. Par contre, je le trouve très agréable, très doux, très léger, pas trop lourd pour du coton. À côté de ça, ouais, le rendu visuel et au toucher, j'aime beaucoup. Mais il se dédouble, donc bon. Voilà, c'est reparti. L'objectif, c'est de la faire. Maman, elle n'a pas encore accouché, mais elle est à peu près à moins de 15 jours. Ça ne devrait plus tarder, à moins que bébé se fasse désirer et qu'il n'arrive un peu plus tard, mais voilà. Donc, bah, c'était tout pour aujourd'hui, parce que le doudou, je l'ai fait. Le gilet, j'ai plus rien à vous remontrer. Donc là, la couverture devrait bien avancer ce week-end, parce qu'on a la voiture et que c'est ce que je veux embarquer. Et donc, pour le week-end, j'ai juste mon gilet et ma couverture. J'ai plus rien d'autre. Donc c'est ce qui va quand même avancer. Et la semaine prochaine, il y aura des nouveaux ouvrages. J'ai un test pour Nadia à commencer. Je vais commencer une paire de chaussettes. Alors pas celle pour mon chéri quand même. Je vais me faire une paire pour moi quand même. J'ai envie de me tricoter une paire de chaussettes pour moi. Et puis finir le gilet, finir la couverture. Ce sera le programme pour dimanche prochain. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez, et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye !